Bon, désolé si je mange. La seule qui survivra du village, du coup, tous les coups. Alors, ça, tu l'as manqué la dernière fois, Wax. Quand on a fait la démo, donc ça commençait par ça. La petite vieille qui te fait ton truc. Ouais, l'icône, vous déménagez avec l'ingère. Venez vous dévorer, venez manger notre chair. Plus chimique. Ça, c'est oui. C'est oui! C'est là pour être crocheté, ok. V pour la carte. Ouais. Et là, on peut revenir là-bas? Ou c'est bloqué? Ah, maintenant il te dit non, c'est mort. C'était pas là où j'étais tout à l'heure? Ouais, si, c'était là où j'étais tout à l'heure, non? Ou là? Toujours un objet. Là, il y a la ferraille, on s'en souvient. S'il était, ça n'a pas bougé. Si les trucs n'ont pas bougé, ça devrait être à peu près facile. Oui. Interagir, ses chefs protègent le village et ses habitants du mauvais œil qui comptent les droits sur la colère de Mère Miranda. Et bah, tu peux voir ce que je vais en faire de votre ta chèvre. Tiens. Ah, il y a eu un petit freeze quand même. Hein. Mais Miranda, il a fait freezer le jeu. Peut pas lire les tombes. Pouvez... je sais pas si on pouvait. Putain, mais. Eva. Une herbe, on l'avait pas eu la dernière fois. Quoi? Encore ces petits bruits signalent la présence d'une cage qu'on peut abattre. J'avais pas vu la dernière fois. Alors est-ce qu'elle y était? J'avais vu une cage plus loin, mais pas celle-là. Un objet. Alors, tiens, ça n'a pas bougé. Hop! Lui là. C'est une cavité sur le village, cherchez un morceau de relief. Un d'eux se trouve l'église, l'autre a été confiée à Louisa. Oui, a été confiée à Louisa, d'accord. Ça, c'est pas un souci, mais. Mais faut y aller, quoi. L'église a été fouillée. Je vais fouiller ça pour dire oui. Voilà, comme ça on voit que si c'est fermé. Quel bonheur, hein? Quel bonheur vraiment.
On a la mine, de nouveau. Une mine. La poudre noire. Bah ça m'en va là. Tiens. On a 54 balles de flingue, beaucoup plus que dans la démo en tout cas. Je vais taquin. Bâtard, depuis tout ce que je lui ai mis dans la gueule, il vient me chier sur les pompes quand même. Oups. Alors? Ah, il n'y a pas la cage ici. Par contre, ils l'ont retiré, c'est ici. Il y en avait une, non, ils l'ont retiré. La machette contre le canif, je peux pas. J'aurais bien aimé, mais. Que la coup de la mine là, j'en ai buté deux. Ici, y a rien. Avec des nouveaux orques. Hop, hop, hop. C'est quoi cette ferraille? Là. On n'est pas allé, c'est ici. Oh!
C'est un oui, c'est oui. Tomber sur des gens normaux. Vous avez vu d'autres survivants? Non. Ils sont tous chez Louisa. Elle ne répond pas et le portail est fermé. Tais-toi. Il n'est pas d'ici. On n'est pas en sécurité ici. Votre père peut marcher? Non. Un de ces monstres l'a blessé. Il a perdu beaucoup de sang. Il faut qu'on aille chez Louisa. Moins fort. Il doit y avoir un accès. Restez ici, sans faire aucun bruit. Ne bougez pas jusqu'à ce que j'ouvre le portail. Faut pas hésiter à regarder, hein, sur les toits. De l'argent, il nous servira plus tard, je suis convaincu. Poudre noire. Dans le gogno, parfait. C'est ça de rien. Il n'a pas l'habitude de compter sur les autres. Je suis désolée. On sera à l'abri ici, n'est-ce pas? Ouais, ce sera mieux qu'à l'extérieur, c'est sûr. Hé, vous avez une idée de ce qui se passe ici? C'est à n'y rien comprendre. Mère Miranda nous a toujours protégés, mais... Personne ne répond. Papa! Il faut qu'on entre! Eh oh! Y'a quelqu'un? Elle reconnaîtra ma voix. Louisa, ouvrez! C'est moi, Elena! Arrête de crier! Tu vas attirer les monstres! Liliane, du calme! C'est qui lui? Mon ami! Reste où t'es! Papa! Je t'en supplie, Julian, laisse-nous entrer. Ils vont sentir le sang. Vous nous mettez en danger. Mon père a besoin d'aide. C'est pas mon problème. Que se passe-t-il? Ces gens veulent laisser entrer un homme mourant chez nous. Allons, ces gens sont nos amis. Allez-y, entrez. Venez, par ici. Vous n'êtes pas de ce village? Non. Moi, c'est Ethan. Julian, rends-toi utile et va faire une ronde. Qu'est-ce que je viens de dire? Bien. Si Elena vous fait confiance, alors moi aussi. Entrez, Ethan. Restez ici. Je vais voir les autres. Vu la démo, je suis AFK, du coup, à toutes. Oui, à toutes, Max. Ça, c'est, j'imagine que c'est la même chose. On va regarder quand même. Hein. Ouais, il y a toujours l'autre là, le Seigneur du Mordor, je sais pas quoi là. Suivez-moi.
trône de fer, le trône de glace, tous les trônes que tu veux. Ah ! La petite sauvegarde. Venez, les autres nous attendent. C'est qui, lui ? Un étranger, vous allez tous nous faire tuer ! Anton Ducan ! Il a aidé Leonardo et Elena. On s'en sortait très bien sans lui. Venez, Ethan. Asseyez-vous. Vous êtes les seuls survivants ? De tout le village ? Les seuls survivants ? Les seuls survivants ? Y'a pas de survivants ! Un pauvre invalide. Une conne qui arrête pas de chialer. Et vous ? Vous faites entrer un type en sang et un étranger comme si de rien n'était. Et vous pensez être à l'abri ? Personne n'est à l'abri. Tous les connards dehors se sont fait triper. Et demain... Demain, on sera tous morts. Comme son putain de mari. Mais la veilleuse, Roxana. Ça suffit. Cette maison a protégé ma famille durant des générations. Et ivre ou non, chacun est le bienvenu et en sécurité ici. C'est ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce qui se passe ici, à la fin ? Nous l'ignorons. Nous étions un village pieux et tranquille, mais du jour au lendemain, ces monstres sont apparus et nous ont attaqués. Et puis, il en est venu d'autres... Attendez, Louisa. Où est votre mari ? Ils l'ont... Non. Non, non, il est dehors. Quelque part. Il est parti chercher de l'aide. Oui, oui, voilà. C'est ça. Il cherche de l'aide. Prions. Pour lui. Pour nous tous. Bonne idée. Venez. Approchez. Ô puissant, entendez-nous. Unis ensemble dans la prière. Nous vous demandons, depuis les ténèbres infinies, de nous guider vers notre destin. Quand la lune minuit s'élève portée par des ailes noires, nous faisons notre sacrifice et attendons la lumière salvatrice. Dans la vie et la mort, nous te rendons gloire, Mère Miranda. Bien. Le thé doit être prêt. Aide-moi, Elena, veux-tu ? Cette prière, je l'ai déjà entendue. Une vieille femme près du cimetière. Cette vieille sorcière. Elle est juste complètement timbrée, celle-là. Sa dévotion n'est pas dénuée de sagesse. Et j'espère que ça la protégera tout autant que nous. Mais qu'est-ce que tu fous ? Leonardo, qu'est-ce qui se passe ? Ça ne va pas ? Papa ! Elena, non ! Restez là ! Non ! Laissez-moi ! Il va nous tuer ! Il va nous tuer ! Venez ! Bon, j'ai compris, il faut pas tirer. Ça tient. Elena, Elena, non ! Y'a plus rien à faire ! Papa ! Tu risques de s'effondrer ! Non ! Vous pouviez pas le sauver. C'était déjà trop tard. Laissez-moi seule !
Non, non, on va sortir d'ici tous les deux. Bon alors, je vais quand même refouiller vite fait. Ouais, mon machin, le, tout la tour de vis. Hein? Vous avez vu la démo? Du pognon. Des cartouches, c'est un oui. Ah, il peut accueillir jusqu'à 5 munitions. Merde, le feu gagne du terrain. Oui, bah dépêche-toi. Vous allez faire quoi? Reculez. Je vais tenter quelque chose. Essayez. Ça brûle. On n'a plus le temps. On n'a plus le choix, faut monter. Venez, vite. Allez. Ça va aller. Hey, essayez de pas respirer la fumée. Je sais. Merci, Ethan. Oh, c'est beau, ça. J'espère que votre famille est à l'abri. Mais moi aussi. Non, c'est bon. C'est bon, ça va tenir. Là, on va sortir par là. Dieu merci. Mais après, le village est infesté de monstres. On peut pas les affronter. Il y en a trop. Mais non, non. On va trouver une maison où vous serez à l'abri le temps que je trouve ma fille. Quelque chose me dit qu'elle est dans ce vieux château. Non. Là-bas, vous ne trouverez rien d'autre que le sang et la mort. Et je veux pas rester seule pendant que vous... Papa ? Elena, c'est trop tard. C'est plus lui. Elena ! Oh. Il me reconnaît ! Papa ! C'est trop dangereux ! Bougez pas ! Tenez, attrapez ma main. Ethan, partez. Sauvez votre fille. Oh, regardez-moi. Donnez-moi votre main. Putain de merde. Mais pourquoi est-ce que tout le monde... Oui, bon, allez, hein. C'est parti. C'est un cauchemar. Mais pourquoi ça commence? Ok. Alors, vu ta blessure, tu devrais pas taper dessus comme ça, mais bon. Je dis ça. Pas retourner, on est d'accord. Toujours pas. Je
Quick. Excellent. Arrêtez! Merde, il y en a! C'était qui? C'était quoi ça? D'accord, il n'y a toujours pas son corps. Il est vaporisé, encore une fois. Rendu visite. Ok. Ok, là on a fini. Le sang et la mort. Hein ? Là on a fini la démo en gros. On redécouvre de nouveau. Même s'il y avait 2-3 éléments qui avaient changé. Ça doit cailler, putain. Non, on peut pas y aller, d'accord. Alors, je sais pas du tout à quoi ça sert. Hein. Ouais, le travail sur les ombres, franchement, on fait vraiment le taf. Hein. Les changements d'atmosphère, de lumière. Tiens. Je pensais que tout le monde était mort. Tu dois être un dur à cuire, toi. Vous êtes qui, vous? Oh, t'es pas d'ici. Encore mieux. Mère Miranda va t'adorer. De geindre, on y est presque. Aucun d'entre vous n'a besoin de cet homme, et mes filles adorent s'amuser avec les étrangers.
De plus, je vous promets que si vous confiez ce mortel à la famille Mitrescu, mes filles et même vous chargeront d'un assassinat. Donc, en gros, fermez-la, vous deux. En gros, tu veux le garder juste pour toi. Et nous, on s'amuse quand? Laissez-le moi. Et j'organiserai un spectacle dont tout le monde profitera. Oh, je t'en prie. Qu'a-t-on à faire du pain et des jeux? En tout cas, je peux vous garantir que cet homme... Oui, on sait. Il va perdre son petit oiseau à la porte du château, blablabla. J'ai entendu tous vos arguments. Certains étaient moins convaincants que d'autres, mais j'ai pris ma décision. Heisenberg, le sort de cet homme est entre tes mains. Mère Miranda, permettez-moi de protester. Heisenberg n'est rien qu'un enfant, et son dévouement envers vous est discutable. Confiez-moi ce mortel, et je veillerai à ce qu'il soit prêt. Ferme ton claque-merde, et sois pas mauvaise joueuse. T'iras chercher ta bouffe ailleurs. Tais-toi, petit morveux. Les adultes discutent. Morveux? C'est toi qui contestes la décision de Miranda. Je n'ai absolument aucune leçon à recevoir. Ah, c'est ça, continue à grandir, ta tête rattrapera peut-être ton ego. La bagarre, la bagarre, la bagarre. Silence! Ma décision est sans appel. Inutile de discuter. N'oubliez jamais de vous venir. Merci, mère. Lico et messieurs, merci de votre patience. Et maintenant, place au jeu. Nous voyons ce que tu as de l'avance, Ethan Winters. T'es prêt? Non. Oh non. Mais qu'est-ce que tu fais? Un mec qui est devenu trop badass. Ah! Ben, c'est vous. Imaginez en VR. Le set en VR, c'était la gerboulade quand même. Sans le VR, je suis pas très fan.
Oh putain, d'accord, ok. En gros, c'est une scène qui te permet de présenter les méchants. Si je peux tuer un corbeau. Bienvenue. Tire, ouais, bah oui, oui. J'ai essayé de l'avoir au couteau pour économiser des balles. Wax. Je vous attendais, Monsieur Winters. Vous connaissez mon nom ? Nombreux sont ceux qui ont entendu parler de vous ici. Un héros qui est à la recherche de sa fille. Je dois bien admettre que ce château a quelque chose de suspect. Ouais, un peu comme vous. Je ne suis qu'un humble marchand. Ici ? Je me présente. Je suis le duc. Parlons affaires. Armes, munitions, remèdes, tout ce que vous désirez, vous le trouverez chez moi. Vous voulez acheter quelque chose ? J'ai quelque chose de spécial aujourd'hui. Besoin d'argent ? Ah oui, c'est tous les objets que j'ai. Ah, je peux vendre des trucs. D'accord, ok, c'est moi qui vends les trucs. Fragments de cristal, je peux en vendre. De toute façon... Ah. Oh. Jetez un coup d'œil à mes derniers articles. Oh, ça coûte tellement cher. Ah, c'est pas du tout le même prix que la démo. Non, bon, on garde de l'argent pour améliorer la puissance. Regarde le bazar quand même. Oh! On s'en est. Je peux modifier toutes sortes d'armes les yeux fermés. Et je le fais pour une somme modique. Ah, vous avez hâte d'essayer ça ? Merci de votre visite. Alors, attends, si je peux. Je peux pas l'améliorer par contre, c'est un peu de la merde en barquette. Ouais, voilà. Enfin, c'est de la merde en barquette. Ne faites pas attention à moi. Ouais, je suis le rond 185 pour machin. Pour l'instant, on va utiliser celui-là. Alors, fais voir l'inventaire parce que dans le set, la gestion de l'inventaire, c'était un peu osef. Mais là, on est d'accord que.
61 balles. Pour l'instant, il est plus fort, donc autant prendre celui-là. Mais quand on pourra améliorer le Lemmy, celui-là, on le vendra en fait. On va juste acheter ça, quoi. Ah, on arrive par là. Encore ça, c'est la deuxième démo, souvenez-vous. Est-ce que Rose est ici? Allez, on casse la poterie. Hein. Ça, j'en ai dit, la raison d'un homme et de trois femmes. As-tu j'en ai mis en entretien avec madame Dimitrescu. Préféré le duc, discussion d'affaires. Ah, ben là, Cassandra et Daniela. Un petit peu d'argent. Ça passe à rien. C'est pas fini, mais... Des trucs à faire. Bonjour. Tu peux regarder depuis l'autre côté. Tellement de balles de pistolet. J'étais un petit peu en mode ouais, j'ai pas beaucoup de balles au début, j'ai peut-être pas été économe. Bon allez, vas-y, on va quand même le relire. Labyrinthe de Norstein, la saison à la fin du 19e siècle. Norstein fut qualifié d'hérétique puis banni de sa patrie et en remontant avant de s'installer dans un vieux village isolé. C'est là qu'il créa quatre labyrinthes, le château de maison sur la colline, le moulin à eau et la tour de fer. Une fois ceci achevé, non, le château, la maison sur la colline, ah, d'accord, ça... Une fois ceci achevé, il se mit à viser la stampe et se donna la mort. Magnifique. Chaque labyrinthe est unique et fonctionne avec une boule métallique spéciale qu'il faut guider jusqu'à l'arrivée. Quatre labyrinthes referment des ossements humains parés à de cristaux de différentes couleurs. On raconte que ces ossements sont ceux de quatre femmes qu'a aimé dans le cours de sa vie. Magnifique. Vu les démos, je suis affaire, je re... Tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà vu. Non, mais à mon avis, je pense qu'on n'est pas au même endroit que la démo, mais... Quand on est au même endroit physiquement, mais regarde, déjà les statues sont pas là. Ici on peut pas aller pour l'instant. Ouais, je pense qu'on n'est pas au même endroit. Enfin, pas exactement au même moment en fait. Gentille, les filles. Oh, bien, jetons-y un œil. Wow, ça, alors, Ethan Winters.
Tu as survécu au jeu de mon idiot de frère, à ce que je vois. Voyons voir ce que tu as de si spécial. Bien, bien. Ah, ah. Il commence à perdre de sa chair. Alors dévorons sa chair sans tarder. Mais c'est moi qui l'ai capturée. Pas si vite, les filles. Je dois d'abord prévenir Mère Miranda. Mais ensuite, il y en aura bien assez pour tout le monde. Accrochez-le. Non, attendez. Oh, fais attention à ce que tu dis, Ethan. Faites-moi descendre. C'est dégueulasse. Il franchement, il prend tellement cher ce pauvre Ethan. Sérieusement ? Le pauvre Ethan, mais il est né pour prendre. Là, tu vois, je pense, bon, dans cette situation, c'est le début de la démo. Ouais, le verre. Ok. On va te crocheter, ok. On sait que c'est par là qu'il faut aller. On met de plus de côté, interagir les jeunes filles de la récolte. Je sais pas à quoi ça sert, mais bon. Oh, putain. Le mec, il a un instinct de survie de ouf. C'est... Merci. Ah ! J'aurais pu casser l'autre truc qui était là-bas. Alors, pour venir ici. Qu'elles ont emmené Rose. Comme nous nous retrouvons. Vous ? Qu'est-ce que vous faites là ? Les affaires sont les affaires. Avez-vous retrouvé votre fille ? Non.
Si elle est vraiment ici, il y a de fortes chances que la maîtresse du château la garde dans ses appartements privés. Ne pensez-vous pas ? Dimitrescu ? Elle-même. Pourquoi ne pas jeter un œil ? Sait-on jamais ? En parlant de jeter un œil, regardez ce que j'ai en boutique. Ah, vous tombez bien, je commençais justement à m'ennuyer. Tiens, hop, je vends ça. Vous n'avez pas mieux à me proposer. Ah, le verre, on peut le vendre. Mais est-ce que ça, est-ce qu'on s'en servait, on doit pas s'en servir plus tard? Objet de valeur. Très bien, j'achète. C'est pas cher par contre. C'est un investissement, Ethan. Ah, ah. Bon, après, on peut privilégier le fusil, hein, vu qu'on a déjà de base un meilleur pistolet. À la prochaine fois. À la prochaine fois, ouais. Hop, on a même boosté notre fusil. Ah, ici c'est ouvert, oui, comme dans la démo. Cool. Ah, moi je suis un rageux. Ça a pas changé ça. Et d'accord. Oh putain, on a tellement de munitions. Ça on dirait ridicule. Oui. Ok. Voilà. Petite photo de famille. Ah oui, la salle de bain, c'est vrai. Après, la salle de bain, la salle de bain. Ah oui, on connaît. Historique école du château Dimitrescu remonte au 15e siècle, bien avant les occupants actuels. Alcina Dimitrescu. On va le faire à chaque fois. Hein. À combiner les techniques traditionnelles et à procéder dont un secret pour enrichir l'intensité des saveurs du vin, pour faire un bouquet épais. Son meilleur millésime est le Sanguis Virginis, qui se finit en sang de vierge, conservé dans une bouteille spéciale décorée de fleurs argentées. Magnifique. Ça, il propose pas de le casser, mais tu peux le faire. Tu peux le faire et... Ah. Thank you.
Attendez, ça s'est déjà refermé, ça, blessure. Laisse-moi te prendre, te trancher la jugulaire et regarder. Capturer mort ou vif, tu préfères quoi? Oui, non, c'est bon, j'ai compris. Ok, il guérit vite, hein, vous voyez, ses blessures aux mains, enfin sa blessure, c'est déjà guéri. Il a peut-être gardé un petit peu de virus E avec lui, histoire de se régénérer, quoi. 9 juin 1958. C'était mon premier jour de travail au château aujourd'hui. J'étais étonné de constater que tous les domestiques étaient des femmes. Maîtresse et ses filles ont insisté sur le fait qu'elles ne mordaient pas. C'était pour le moins étrange. On va dire qu'il est déjà contaminé. Alors après, ça peut être, oui, ce virus-là qui l'aide, mais... à l'époque, il était contaminé au virus E, comme mine de rien. Donc, tu sais, par exemple, que Shiri Birkin, qui a été exposée au virus T et au virus G... Bon, elle a un petit cocktail détonnant, et que quand elle se prend un morceau de verre de grand comme ça, dans le bide, ça lui fait pas grand-chose, quoi. Bon, tu respires pendant 2-3 secondes, et puis ça passe, quoi. 23 juin 1958, ça fait 2 semaines que j'ai commencé à travailler au château, et j'ai un peu peur. Une autre servante a déjà commis une impair, et mademoiselle Daniela lui a taillé le visage avec un couteau. Et la nuit, j'entends ce dégésissement comme si les fantômes erraient dans les couloirs. Je veux rentrer chez moi. 8 juillet 1958, je ne sais pas quoi faire. Les jeunes modèles se plaignaient qu'il faisait chaleur étouffante pendant le dîner, alors j'ai entrouvert la fenêtre. Ferme la fenêtre immédiatement, m'ont-elles crié à l'unisson. J'ai peur d'être emmené au sous-sol et qu'on ne me renvoie plus jamais. Je ne sais pas quoi faire. Donc, ça c'est un bon indice, hein, parce qu'elles n'aiment pas qu'on ouvre la fenêtre. Donc, il faut ouvrir les fenêtres. Partout. Tout le temps. Petite musique. Alors tu te dis que c'est tout petit, mais en fait celle qui est super grande. Des balles de flingue. Est-ce que ça explique l'ail séché ça et là? Oui, je pense que c'est des vampires, hein. Ils ont fait le coup des loups-garous. Là. Ils vont faire le coup des vampires. Hein. Ah oui. Prends la lumière. Je crois qu'il y avait un truc. Ah, merci. Moi, je suis pas pressé par le temps de la démo parce que la dernière fois, j'étais en mode il reste plus beaucoup de temps. Donc, on va fouiller un petit peu plus. Couvert de sang séché, oui. Puis je pense pas qu'il y ait énormément de trucs à voir. Aide-moi, frère. Oh, le petit truc de cochon, c'est trop mignon.
Lolita, Terina, Mayra, Lewis, Ingrid, rejetée d'Andorra, Greta, Nadine, Camélia, Bianca, Melina, Astrid, Ludmilla, Rosilana, Lina, Stefana, Gabriella. Beaucoup de rejetés au NAC casting. Irina Petit Veras, Melina Petit Veras, Loïs s'appelle Veras, Ingrid instable, reprend parfois conscience. Péjor Aigrad. Oh! Et on va voir votre séchoir viande, mesdames. C'est un style, hein. Pièce détachée. Ok. Marche magique avec la bande. Ah ok. Ah c'est dépassé la bande. Salut. Quand c'est stabilisé à tous les coups ça se vend. Ça part comme un Stalingrad hein, les éditions. Quoi? Pardon? Ouais, bonne game. Exactement. El famoso bon tuyau. Attendez. Vous êtes bien défoncé, hein.
Mais moi, c'est encore 39 balles. Bon, c'est pas beaucoup, mais... C'est toujours ça, exactement. Nous n'en serions pas là si Cassandra t'avait tué. Il me faut du sang chaud, humide. Du sang bien rouge. Tu es au menu ce soir. Où est-ce que tu vas, petit coquin? Tes balles ne font rien du tout. Ah, j'avais dit la fenêtre.